matin, gang de pénis. Il fait un petit peu frais ce matin pour ouais. aller à la Wound. Il fait 9 degrés. Il pleut! Ouais. Mais, c'est cela. C'est, Ça va être une belle journée quand même. C'est pas grave. C'est pour une bonne cause. Exact. Puis en plus, on va avoir du bon people. Exact. Si jamais vous le saviez pas, là, parce que je me suis rendu compte qu'on l'a pas dit dans le vlog d'hier, mais la Wound, c'est genre un gros parc d'attractions. Tu sais, un peu style comme... Si je compare pour vous, là, si vous vivez en France ou en Europe, ou peu importe, c'est comme Disney, mais c'est pas Disney. C'est comme moins hot que Disney. Juste les manèges. Ouais, c'est ça. C'est juste les manèges. Puis la bouffe. Mais c'est ça. Sans les funnel cakes des États-Unis. Sans les funnel cakes. Mmh. Oh! Les funnel cakes du Six Flags. Ah, le menu du matin. Cette femme avec laquelle je ne danse pas souvent. Viens dans mon ventre. Viens dans mon ventre. Je dois toujours prendre une bouchée des choses de Catherine avant Catherine. Merde! Vous voyez les Français? Ça, c'est ouvert tout le temps. Et ça me coûte 3 euros. Et c'est un gros bagel avec des œufs, tomates, salade, bacon. Et l'équivalent de 3 euros. Hein? Ça, c'est. Je crois que vous avez les boulangeries aussi, puis les petites pâtisseries qui font des sandwichs. Ok, vous êtes un angle mort. Voici comment Catherine regarde cet angle mort. Je travaille sur ma prochaine vidéo qui, c'est ça. J'ai encore mon petit mini portable d'amour. Je l'aime. Je l'aime tellement. Il pleut pour s'en faire des manèges. C'est triste. Ouais, nous allons manéger sous la pluie. Well, pas grave, on va avoir du fun quand même. C'est quoi son nom? Moi, c'est Marie-Michelle Voyer. Et quel est son nom à elle? Elle, cocotte 1, cocotte 2. Ok. Voici Ginette et Robert. Ginette et Robert sont des sœurs jumelles. Ginette a clairement mis de la crème solaire. Robert, non. Soyez comme Ginette, sinon vous ressemblez comme Robert. Par le même fait, voici la photo de moi et Catherine. Catherine est clairement inférieure à moi. Mais pas juste inférieure par le visage, par son rire, son intelligence, sa beauté et autres informations claires, dont l'efficacité, telle que vous l'avez vu dans les autres vlogs. Regardez comment Catherine met de la crème solaire. Vous voyez que c'est transparent. C'est mal. Mal, Catherine. Voici moi. Qu'il est beau, je sais. Comme vous pouvez voir ici, c'est entièrement rouge. Ça, c'est la façon qu'on met de la crème solaire. Bien, épais, efficace, à chaque 2 heures au soleil. Un message à la Société canadienne du cancer. C'est un message pour vous rappeler de ne pas filmer dans les manèges à la ronde. Ça soque, oui, mais c'est les règles. Un message de Jay. La fille! Puis est-ce que vous avez aimé ça faire le Goliath? Oui! Est-ce que vous allez le refaire? Oui! Qui a envie des beignes? Tant des beignes! Allons chercher des beignes! Tu veux-tu de la crème glacée en cette journée glaciale? Je veux sa viande. Ah. Donc là, je suis avec Léa et Frédéric. Est-ce que vous pensez de la journée, les filles? Ouais, vraiment. Est-ce qu'on va faire des manèges ensemble tantôt? Oh, ben ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, ouais. Ok. Ouais. On l'a fait tantôt, mais on va retourner le faire. Ouais, ok. Yay! Yeah. Les filles! Hello! Est-ce que vous passez une belle journée? Oui! Est-ce qu'on va faire des manèges? Oui! Hey, on vient de faire le discours en on a vraiment mal au cœur. À la fin, il n'arrêtait pas de tourner. Tout ce petit manège qui est smooth. Je me sens vraiment pas bien. Allô les filles! Allô! C'est quoi vos noms? Alicia, Daphné, Emma, Sienna, Mélijane et Mickaël. Merci d'être venus, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ouais! Je sais pas comment vous faites pour boire ça parce qu'il fait tellement froid. Vous êtes courageuses. Mais c'est parce que moi, en ce moment, la seule chose que j'ai envie, c'est de manger de la crème glacée, mais je sais que c'est pas une bonne idée parce qu'il fait vraiment trop froid. Non, le but, c'est l'équipe glacée. Ah, miam! Oui, je m'en vais chercher une tantôt. Allô, les filles! Hello. C'est quoi vos noms? Moi, c'est Cynthia. Christelle, Nicole. Et là, je fais un petit message spécial pour la soeur de Cynthia, Karen, qui peut pas être là aujourd'hui, mais je te dis coucou! On vient de faire le vampire, mais en reverse, par en arrière. Puis sérieux, je suis tellement désorientée, j'ai vraiment mal en tête, puis je suis comme toute étourdie. Mais c'était vraiment pas si pire que ça. Moi, je suis quand même peureuse dans les manèges, mais c'est correct. C'est cool. C'était cool. Ouais, non, c'était cool. J'ai complètement en avant, en arrière. Question de temps,
Let's go, guys. Un anneau pour n'importe quel toutou. Gagner une peluche dalmatien, mais il voulait tester parce que il y a comme 3 ans de ça, quand t'es allé au Six Flags à Chicago, il m'avait gagné une licorne! Mais c'était un jeu de fusils, ouais. Les fusils, je suis bon! C'est comme des pio-pio pis des bonnes mathématiques. Et je tiens à dire qu'il y avait un gros monsieur, là, genre, tu vois clairement, c'était un gangster. Il avait dépensé 100$. Vraiment, il avait dépensé 100$, il avait pas réussi. Ouais, mon petit 10$ tout calculé, là, je l'ai eu, j'avais gagné la licorne. Catherine était vraiment un enfant, toute fière comme... C'était tellement une belle licorne! Ce soir, c'est soirée poulet, donc Fudge mange du poulet et Fudge fait son exercice. Miaou, hein? Oh! Tantôt, il était tellement cute, il a mis comme la petite patte sur Jay pour attraper le poulet avec l'autre patte. Vas-y, Fudge! Vas-y, Fudge! La quand même. Oh! Oh le tabarnak, j'allais le lever plus haut! Ok, ça c'était adorable! Ah, il jump pour avoir le poulet! Non! Oh non! En ce moment, on est le lendemain. Hier, on était vraiment trop fatigués pour terminer le vlog, mais je voulais quand même faire un petit retour sur la journée d'hier. Donc, je voulais dire un gros merci à la Société canadienne du cancer, ceux qui nous ont invités à passer la journée avec eux hier, puis autant à faire des manèges que de sensibiliser les gens à l'importance de porter de la crème solaire. Je sais pas si vous avez fait le photomaton UV, mais ce que Jay vous a montré en début de vidéo, dans le fond, c'est une machine qui prend une photo de votre peau, mais comme 3 mm sous la couche de votre peau, fait que ça vous permet vraiment de voir les dommages que les rayons UV ont fait à votre peau. Puis moi, je dirais que je suis quand même une personne qui brûle facilement parce que, comme vous voyez, je suis assez pâle, donc je me fais pas bronzer souvent. Puis quand je sors, ben la majorité du temps, je mets de la crème solaire, mais j'en mets peut-être pas assez souvent, fait que j'avais des petits dommages déjà qui avaient été causés sur ma peau. Mais en tout cas, je voulais juste vous rappeler de l'importance de mettre de la crème solaire pour vrai. Là, c'est juste une petite étape de plus à rajouter dans votre routine du matin, surtout les journées là où vous voyez que t'sais, vous allez passer du temps à l'extérieur puis que c'est super ensoleillé, c'est encore plus important dans ce temps-là. Donc c'est ça. Il va y avoir un autre vlog demain, ben en fait aujourd'hui au moment où vous voyez ça, fait que soyez pas trop surpris de me voir habillé pareil. Mais sur ce, je passe Jay pour le mot de la fin. Je me suis endormi dans mon bain. Donc ceci le lendemain pour le mot de la fin. Oh, ça rime. Ouh. Ah. Soyez beau, soyez coquin, je vous aime.